Bon, j'espère qu'il ne reviendra pas parce que sinon ça va me gonfler. Oui, il revient pas. Bon, ça va. Ouais, mais les attaques puissantes, je m'en suis. Enfin, les rares fois où je m'en servais, ça faisait pas une grosse différence. Alors, du coup, je préférais. Enfin. En fait, c'est plus avec une. Avec cette arme-là. Comme il y a un facteur de saignement dessus, je préférais faire plein de petites attaques. Parce que comme ça, je lui faisais presque. Putain. Je faisais presque aussi mal. Qu'avec une attaque puissante, justement parce qu'une fois sur quatre, il y avait du saignement, quoi. Est-ce qu'il y a des coins sympas à Tourcoing? On nous demande. C'est pas très rassurant, votre coin. Votre truc, les gars. Oh, un feu! Bah, ça s'opère. Oui, donc c'était plus ou moins un boss. Optionnel, mais un boss. C'est super rassurant comme endroit. Gouffre des abysses. Tiens donc, salut toi. Non 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 non, meurs pas, meurs pas, meurs. Non 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 non, t'en vas pas, t'en vas pas, t'en vas pas. Viens ici. Qu'est-ce que tu refiles déjà? Une scène scintillante, ok. Tiens, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça. Ce que je fais, je ressors la lanterne peut-être. Est-ce que ça change? Mais bon, c'est la vie. On m'en fout, j'étais pas loin. Du coup, c'est maintenant que je dois utiliser le pendentif ou aucun rapport? Putain, ça lag. En tout cas, j'ai vraiment adoré l'action du l'ascenseur qui descend et bam! Et bam, il y a un ennemi dessus, quoi. Très très intéressant. Ah ah, t'as cru que tu mourrais, mais non! Peut-être que si. C'est contre le boss, ok. Tu peux utiliser sur le mage, mais comme la pénombre empêche de voir le déclenchement de l'attaque, c'est pas très utile. D'accord, donc c'est une attaque spéciale qui fait ça? Je comprends pas trop. En fait, je sais pas encore trop ce que c'est. C'est surtout ça qu'on va dire. Alors. Non, mais en vrai, on voit aucune différence pratiquement. Ça, c'est violet d'un coup. Il va pas y avoir grand monde dans le DLC parce que j'ai vraiment pas croisé beaucoup d'animations de gens qui sont morts et trucs comme ça. Donc. Même d'indications de gens, j'en ai pas eu des masses. Oh la vache! Ce sont des mages! Ça repousse l'attaque magique. Ah, ok. Bon à savoir. Bon. De toute façon, c'est pas pour ce qu'il y a sur mes âmes que ça va changer grand chose. Donc, je suis d'avis de faire du bourrinage. Bourrinage, ça aide pas.
Cette lumière pathétique ne peut dissiper les ténèbres des abysses. C'est joliment dit. Ah, c'est ceux-là, les monkeys. D'accord. Tu n'as pas des kunai pour les attirer un par un? Il va falloir déjà savoir où ils sont pour les attirer. Sinon, ouais, peut-être que j'en ai un. Oh, fuck, allez. On va tenter l'autre côté. Il n'y a pas d'autre côté. On va tenter ça. On va pas tenter ça. À chaque fois que tu joues à Dark Souls, il y a au moins une référence à Astérix, bien sûr. Parce que c'est... ça représente un peu les 12 travaux, tu vois. 50 milliards de trucs à faire, 50 milliards d'endroits où aller. Wow! D'où tu sors, toi? On va mourir. Je suis en train de... hein? De regarder ce qui se passe. Tu me feras le plaisir de pas m'attaquer pendant ce temps-là. C'est la violence! Oups, ils ont pas l'air très contents, en plus. What? On m'a menti! Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Pour l'instant, ils ont l'air de pas trop m'attaquer, donc on va voir. Il y a un spot à âme. Ouais, mais je suis pas sûre que j'en ai vraiment besoin dans l'immédiat. Parce que bon, il faudrait en plus être capable de les ramener, quoi, les âmes. Oh, l'humanité. Bonjour! C'est hyper rassurant. Parce que ouais, là, bon... ah ouais, je vois un peu plus. Ouais, non, en fait, pas du tout. Nous sommes des hanteurs à cause de la folie des hommes. Oh, c'est bien d'être affilé là. Nous sommes battus, mais nous n'avons pas dormi. Si vous voulez revenir, prenez les mains. Oula, pas traverser. Pas bonne idée, ok. Tablette de titanite blanche. Dommage. Là, je peux les buter. Le tout, c'est de pas les traverser en fait. Si vous voulez revenir, revenez. Eh bien écoute, Mikolo, je t'autorise pour cette fois-ci à me dire un indice sur le truc qu'il faudra que je reprenne une fois que je serai morte. Oui, puis bon, on va peut-être pas se fâcher avec tout le monde. Putain, mais les âmes, c'est même pas tangible. Une âme. Padam. Padam. Here we go. Oula, attention, il a droit à une animation. Ça rigole pas. Super. Sur la route que tu as prise pour venir ici, tu as croisé une sorte de chat qui s'était épais. Ah d'accord, ça, j'ai cru que c'était un truc qui était là pour me faire flipper et qu'il disparaissait tout court et qu'il y en avait plusieurs en fait. J'avais pas compris que c'était le même truc. Oula. Super. Voilà,
vache. Ah merde. Tant pis. Ça fait mal, hein. Bon. Bon, ça sert à rien de s'éloigner, c'est ça? Oh la vache. Bon! Truc pas hyper sympa. Alors... Là aussi, je vais faire un truc qui, je sens, va me faire... Est-ce que je peux me re-TP ici? Pour l'instant, c'est le cas avec tous les feux du DLC, mais bon, ça me ferait chier. S'il fallait se refaire ça à patte. Merde. Donjon. Oui. Là, je t'aime. Alors, l'autre truc qu'il va falloir que je fasse... c'est ça, je veux... Non. Je veux virer ça, je veux reprendre ma flamme. Plus 14, ce qui ne sert à rien, bien sûr. Non, c'est pas ça que je veux faire. Lorsque tu vois qu'il lève les deux bras en l'air, c'est Taïo. Il faut rouler à fond, d'accord. Nous sommes donc en quête d'un chaton. Oh. J'oublie toujours qu'il me saute dessus, ce qu'on a. Ce qu'on a. C'est pas par là. C'est quand même hyper classe. Donc ici, là, ça tombe. Et là, chaton. Donc là, il faut suivre le chaton. Chaton, kili 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 kili. Chaton, kili 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 kili. Je suis pas sûre que c'est par là. Là? C'est où ça, le mur illusoire? Là? Ah, raccourci! Monkey ball! Ah, j'ai tapé juste à côté. Bon, bah, c'est pas grave, de toute façon, j'ai regardé ça. Et là, je suis où? Forêt royale. D'accord, ok. Ok, ok. Ah, bonjour. Attendez, je reviens, je vais... je vais juste me reposer au petit feu, là. Et je vais aller taper la discute à cette personne. Ma foi, fort sympathique. Du moins, c'est l'impression que ça donne. De toute façon, toute personne qui ne saute pas dessus est considérée comme sympathique. Hein. L'âme de l'homme que tu as trouvé mort ici. Oui.
Rassure-moi, tu veux pas essayer de le réinvoquer grâce à l'âme? Parce que accessoirement, il était déjà mort à la base. Est-ce que je lui donne ou pas? je sais pas, j'hésite. J'ai peur qu'il me fasse une connerie avec, en fait. Genre qu'elle le réinvoque, parce que apparemment, vu le cadavre qui traîne là-bas, c'est comme si son âme avait été posée dans ce corps-là et que ça avait muté après. Et j'ai pas trop envie de me le refaire. Ouais. Allez, c'est bien fou. Traceur d'or et Tarzan d'argent. Ok, bisous. Bisous, bisous. Peut-être que oui, peut-être que non. Bon, en tout cas, il m'a filé des trucs et vu que j'avais pas spécialement l'intention de me servir de ça, on va supposer que ça va. Alors, c'est aussi ici. Hein. Du coup, on avait dit que chaton, c'était par là. Ah oui, j'avais vraiment tapé à côté, en fait. Salut! Qu'est-ce que c'est que ça, encore? Manou! Je te sauverai, petit Manou. Petit chien-chien, quoi que tu sois. Petite bête à poils. Parce que les poils, c'est trop chou, c'est tout doux, c'est fluffy. Le spot de farm 20 âmes, bisous. Humanité, salut. Je vais pas te taper quand même. Ah. Grand bouclier purificateur. Eh bé. Oui, j'ai déjà battu... Bah oui, du coup, oui. J'ai déjà battu Sif. Je l'ai déjà, oui, tout à fait. Tout à fait. Pourquoi c'était Sif? C'était lui? Je croyais que je l'avais buté. Oh, je comprends plus rien. Je ne comprends plus rien. Non, fais pas ça. Ah ouh! Je suis un loup. Je suis un marteau. Si tu refais le jeu un jour, fais ça avant d'aller le combattre, tu verras. Pourquoi il vient de filer un coup de main pour buter Sif? Putain, mais c'est dire, faut faire le DLC vachement tôt, hein. Aïe, aïe. Rappelez-moi, qu'est-ce qu'il fallait faire contre celui-là? Vous m'avez dit tout à l'heure. Ah oui, le pendentif. Comment ça marche? Je vais le mettre à la place de ça. Parce que je pense que ça a vraiment son intérêt. Hop. Ah d'accord, ok, ouais, d'accord. Je comprends mieux l'histoire. C'est pour le LEL. J'ai peur maintenant. Adios! C'était Sif bébé protégé par un bouclier magique mis en place par Artorias qui ne souhaitait pas que son compagnon se fasse bouffer par les abysses comme lui. D'accord, ok. Quoique, je suis pas vraiment sûre que ça soit plus rapide de ce côté-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais refaire téléportation... Là.
T'as, mais par contre là, c'est vachement chaud. Hein. Tu es dans le passé. Oui, oui, ça j'avais compris, ouais. Ça j'avais quand même compris. Je flippe ma race quand même, parce que je sens que ça va mal finir contre ce truc. Ouais, l'autre truc que je voulais tester, c'était d'utiliser char d'acier aussi. Je me dis, si, quitte à faire du surplace, autant faire ça. Je me permettrais de le dire comme tu as été étonné de trouver Sif alors que tu l'avais déjà tué. Ah non, mais c'est juste que sur le coup, j'ai pas du tout reconnu Sif parce qu'il avait pas la même taille en fait. Je me suis dit, tiens, c'est juste une. Enfin, je veux dire, c'est une espèce de chat qui m'a mené à ça pour trouver un petit bébé loup. J'aurais pas du tout fait le rapprochement avec l'espèce de loup géant. C'est juste ça. Un siphon, fonfon, les putains de mariage. Mon dieu! Ok, alors aujourd'hui, on y essayait comme ça, et puis on verra. Utilise une humanité pour voir si un PNJ peut être invoqué. C'est vrai que c'est une riche idée. Oh, j'ai mal. Oh putain. J'aurais essayé. C'est hyper bison. Bon. Peut mieux faire. Il y a du mieux, mais peut mieux faire. Qu'est-ce qui se passe? Je me fais défoncer. Ouais, mais le problème c'est que là, vu que j'avais utilisé mon truc, j'avançais à 2 à l'heure. Je pouvais pas tellement fuir. Toi, va manger ta mère. Ouais, c'est le combo de la violence extrême, exactement. Et si je vais là, ça fait quoi? Ah! C'était peut-être pas le meilleur spot pour tomber. Combo! Bon. Du coup, ouais. Je sais pas. Et du coup, ça fait quoi si on retrouve le on fait le DLC, qu'on trouve bébé Sif et qu'après on bat Sif? Ça fait quoi? Bleach, c'est fini. Enfin! Alléluia! Il était plus que très largement temps que ça arrive. Ouais, dis-moi exactement parce que il y a vraiment aucune chance que je rejoue à ce jeu avant au moins quelques années. Et en fait non, il y a presque aucune chance que je refasse le jeu tout court de toute manière. Ok, donc là on va rigoler. Hihi. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Aïe, bobo.
connard. Ouais, Bleach s'est fini super longtemps dans mon esprit, c'est à peu près pareil pour moi, c'est-à-dire que j'ai lu le truc, ils ont battu Aizen, c'était cool. Et à partir du moment où... Enfin, quand il a battu Aizen, c'était vraiment... C'était la fin, quoi, t'avais une vraie fin, bien réfléchie, bien machin... Et là, d'un coup, ah non, ça repart. Non. Non, non, je suis désolée, mais non. Parce que le coup du Ichigo, il a perdu toute son énergie magique, du coup il verra plus jamais les fantômes, enfin les holos et tout, bon bah ok, cool. Et puis finalement, ah bah si en fait, parce que du coup on va tous mettre un peu d'énergie et on va te transpercer de là à là. Comme ça, ça remarche. Non. Toi, tu m'énerves. On avait encore des questions sans réponse après la défaite d'Aizen. Franchement, non. Enfin, ouais, qu'est-ce qui s'est passé avec le père d'Ichigo? Enfin, pourquoi le père d'Ichigo, c'est un Shinigami? Quel est le pouvoir de la gamine, la vice-présidente de Zaraki, éventuellement? Mais, enfin, franchement, ça se finissait très bien comme ça. Hein. Ouais, ce mage, c'est la folie furieuse, quoi. C'est n'importe quoi. Non, non, mais vraiment, quoi, enfin... La mort d'Aizen, à la limite, ils avaient qu'à pas faire un truc du... Enfin, s'ils voulaient que ça continue, c'était pas la peine de faire une vraie fin en mode « Bah, c'est bon, Ichigo, il a plus de pouvoir, c'est fini, et voilà, quoi. Il verra plus jamais les holos. » À ce compte-là, tu dis « Ouais, bah, il en a plus trop, il faudra des mois avant qu'il arrive à rechoper, à refaire ses énergies magiques et tout. » Ouais, là, d'accord, mais non. Là, de la manière dont c'était présenté... Mais tu me casses tellement les couilles, toi! Mais je vais tellement te défoncer. Ah ouais, mais contre Ulquiorra. En fait, tu fais pratiquement rien. La cutscene au début du fight est légèrement rallongée. Sif se souvient de toi et du fait que tu as libéré. Et c'est super kawaii, sauf qu'il décide quand même de te combattre car protéger la tombe de son maître. Cette scène est culte. Ah, c'est pour ça que du coup, les gens ils me disaient « Oh, c'est Sif, regardez, c'est trop triste, Sniff. » Et je comprenais pas pourquoi, en fait. Je disais « Mais je sais pas, enfin je rentre, il y a un chien géant qui m'attaque, non, quoi. Je lui fous sur la gueule et c'est tout. » Je comprenais pas l'histoire, en fait. Du coup, je comprends mieux pourquoi tout le monde me disait que c'était la tristesse absolue. Putain! Bah moi, actuellement, j'ai pas spécialement de boss préféré. Le plus stylé point de vue car design, c'est lui, ok. Le plus charismatique, Artorias. T'as oublié d'utiliser l'humanité avant de rentrer dans la salle du boss. Ah oui, mais dans tous les cas, faut que je redevienne humaine si je veux invoquer quelqu'un.
Je vais faire ça. Je sais pas, moi. Faut que j'y réfléchisse. Sif, il était stylé, mais. Enfin, ouais. Disons que j'ai un avis un peu biaisé du fait que j'y ai passé à peu près 6 heures de suite et que ça a vite commencé à me gonfler. Je suis humaine. Ça fait bizarre, pas l'habitude. Sinon. Ouais, celle que m'aura le plus marqué, c'est Quillag parce que j'en ai trop chié. Pareil pour les gargouilles, j'en ai trop chié. Donc je me souviens à cause de ça. J'ai bien aimé le papillon, je crois que ça doit être celui-là mon préféré parce qu'il y avait vraiment une musique, une pure musique. Et que j'ai trouvé ça vraiment stylé. Après. Toi, je te déteste. Je sais pas si c'est clair ou pas, mais je te déteste purement. Ouais, sinon. Ouais, je pense que dans mes préférés, il y aura quand même le Capra et l'Artorias, justement, parce que c'est vraiment des boss qui... Ah merde, putain, je suis rentrée, j'ai même pas regardé si je pouvais invoquer quelqu'un. Oh, la boulette, quoi. Ouais, donc, parce que c'était vraiment des boss qui correspondaient à ma manière de jouer. Alors, pendant ce temps-là... Voilà, ça c'est fait. Ouais, c'est sûr que Capra, quand tu retombes, bah c'est comme les papillons, quand tu retombes dessus après, forcément. Bon, du coup, je vais demander à Mikolo, qui visiblement est un des plus calés sur le jeu, est-ce que je peux invoquer quelqu'un pour m'aider à battre celui-là ou pas du tout? Ou est-ce que tu t'assois dessus dans le DLC, d'ailleurs? Non, mais voilà, fin, c'est des boss où j'ai vraiment pris plaisir à me battre contre eux. Justement parce que. Bah, la technique de combat par rapport à mon build me plaisait vraiment, c'est-à-dire faut parer au bon moment, puis réattaquer, puis parer. Ou ils sont parfois un peu longs, mais faut gérer quoi. Tu vois, alors que des trucs genre le Seigneur de Nito, avec l'arme que j'avais, en gros, c'est tu te fous en dessous et tu bourrines quoi. Enfin, voilà, quelque part. Hein. Dis donc, trop du cul. On va voir à pas trop faire chier le monde. Pardon, excusez-moi. Reprenez votre repos éternel. Tu peux invoquer Sif, sa marque d'invocation se trouve dans l'arène. Ouh, chaud patate. Ok. Bon bah je ferai ça. Je ferai ça tout à l'heure. Mais du coup là je suis bien obligée d'être humaine, donc je suis obligée de me changer, de cramer mon humanité tant que je suis encore au feu. «
passive, bébé, faut pas rêver, il sert juste à diviser l'aggro car il n'est pas fort. Oui, j'en doute pas, mais bon, ça peut toujours aider. Oula. Ça ne peut pas faire trop de mal. Voilà. J'ai vu arriver l'attaque, mais j'ai pas vu. Je peux plus me barrer à temps. Oh mon dieu. Init 7, quoi. Bon, s'il faut, j'irai dans les profondeurs fermer de l'humanité aussi, hein. Oh là là, j'ai un coup de barre, ouais. Oh, maman mia. Aujourd'hui, j'irai pas plus, pas plus que 4 heures de stream. Hein. Ouais, je dis ça, mais du coup, ça veut dire que j'ai encore 20 minutes. J'ai envie d'avoir un petit show avec moi si je veux, si je veux. Mais alors du coup, est-ce qu'on peut m'expliquer? Est-ce que c'est expliqué dans le lore ou pas? Que je n'ai pas suivi, bien sûr. Pourquoi Artoria s'est dit tiens, j'ai un bébé chien avec moi, enfin bébé loup, si j'allais dans les abysses pour me battre avec. Les barres parallèles, on appelle ça. Comment tu me casses les couilles? Je te hais. Tiens, meurs. Je sais pas ce qui se passe, mais mon chéri a l'air de trouver ça très très drôle. Il se marre comme une baleine. Bon, il commence à faire bon ici, donc on va essayer de... Ah, ça va mieux. Donc là, il va falloir que je trouve... L'arène, la marque d'invocation de Sif. Merde. Ben alors, il vient ou pas là? Sif le grand loup. Oh, c'est si grand que ça. Oh, j'ai mal. J'ai mal. Pauvre petit loup. Aïe. Je veux pas dire, mais pour l'instant, Sif, il est pas d'une utilité vraiment très... très notable. À part qu'il encaisse quand même pas mal les dégâts de l'autre con. Oh merde. Re Azelt. C'est un des grands chevaliers serviteurs de Gwyn et il est venu pour défendre les habitants, les monkeys. Seulement, il a commencé lui-même à se faire manger par ces dernières. Oui, d'accord, non mais ça je comprends, mais du coup pourquoi à la base il est allé il est allé là-bas avec son petit bébé chien, quoi. Laisse l'invocation faire le combat et reste éloigné. Ouais, mais bon, je suis pas sûr que ça va changer grand chose en fait. J'ai mal au dos.
Bon. Du coup, combien de temps, enfin, c'est toujours dur à estimer, mais à votre avis, pour combien d'heures de jeu j'en ai encore avant de finir le DLC, slash finir le jeu? Raser les murs. J'ai l'impression que son sort, il me suit toujours, ça se peut ou pas? C'est son compagnon, faut pas chercher. D'accord, ok. C'est Dark Souls, pas Artorias à la place, Artorias à la montagne. 73 heures, mais putain. Allez, c'est parti. Une bonne centaine d'heures. Bon, ça va! Attends, elle était où la marque d'invocation? Elle est là-bas. Je crois qu'elle est là. Ah non! Putain, mais elle est où? Mais je suis passée tout à l'heure à côté. Ah, mais! Mais si! Oh la bouffonne! J'ai pas fait ça! J'ai utilisé une humanité et en fait, je me suis même pas retransformée en humaine, quoi! La grosse débile! Ok. Quelle heure il est? Ça va, il y a le temps. Alors. Non mais alors là, voilà, ça c'était débile au possible. Je me demandais aussi pourquoi j'avais une humanité de stacker. 73 heures d'estimation pour que je finisse tout, apparemment. Tenez, je vais vous dire, l'actuellement j'en suis à... Ah, c'est Kim qui m'envoie des messages sur Skype et tout. Dark Souls. Ah bah 73 heures, c'est ce que j'ai fait actuellement. En fait, un peu moins. J'ai fait 72 heures en tout pour arriver jusque-là. Je pense que globalement, ça va. Oui, dont certes, dont je pense qu'il y a au moins une quinzaine d'heures que tu peux virer parce que j'ai tendance à laisser tourner le jeu. Genre toute la nuit. Oh, mais bien sûr, Colette, c'est bien. Continue de faire comme ça. Hein. C'est bien la peine de cramer tes humanités pour ça. Hein. Moi, j'ai pas Dieu, pourquoi? Entre 60 et 80 en général. Ouais, mais après, ça dépend tout parce que. 60 et 80 pour faire la campagne de base ou pour faire un peu tout ce qu'il y a autour ça prend en compte le DLC ou pas Je suis trop fatiguée. Là, c'est sûr que j'y arriverai pas à le faire aujourd'hui. Putain, mais c'est pas vrai! Mais qu'est-ce que je suis bête! Mais n'importe quoi! Bien sûr, ici. Ça va mieux là. Oui, tu loupes toujours des trucs, mais je veux dire, moi, je suis plus quelqu'un qui va essayer de buter tous les boss. Il y en a, ils vont plus essayer d'aller tout droit, tu vois. Pareil, c'est avec ou sans aide. Il y a tout le monde qui dit ça, qu'ils aimeraient revenir en arrière et découvrir le jeu. Bon, moi actuellement je découvre le jeu, donc ça me... C'est pas trop mon truc, mais... Ah, tu me casses les couilles! J'oublie... En fait j'oublie tout le temps qu'il est là, c'est con, mais c'est comme ça. Ouais, j'irais bien faire une sieste. Sauf qu'il est déjà 18 h. C'est plus trop le temps de faire la sieste. Mais bon.
Elle est où sa marque? Ah oui, elle est là, elle. En fait, faut que je revienne un peu en arrière. Oh, mais non, mais... Il est trop violent, ce boss. Je suis désolée de vous le dire. Mais ça divise l'aggro de rien du tout en fait. Hein. Je suis désolée de vous le dire. Hein. Il en a rien à foutre de Sif, hein. Il se bat que contre moi. Et quand est-ce qu'on aura droit enfin à un boss qui souffre du saignement? Que mon arme devienne vraiment intéressante. J'ai mal. Non, par contre, ses yeux qui luisent dans le noir, c'est quand même stylé. Oh la vache. Manus fortum bossum est. Ce qui ne veut rien dire, mais... Si c'est donc un grand philosophe qui vient de Kaamelott. Ça veut dire quoi? Rien du tout, mais c'est stylé. Bon, bah c'est pas le tout, mais là ça va faire 4 heures qu'on stream. Ça commence à faire long de toute manière, je sens que je suis fatiguée, que ce sera encore pas pour aujourd'hui. Du coup, restream un de ces jours. Peut-être. Faut pas être gourmand. Non mais bon, c'est lourd. Enfin, c'est... Le problème c'est que si... Moi j'ai l'impression que si je m'acharne pas, ça va pas avancer et... Et bon. Du coup, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, je vais peut-être refarmer encore offline pour monter encore des niveaux. Je ne te dirai pas, Nitzel. J'ai des lunettes, c'est pas pour rien. Allez, sur ce... Des bisous à tous, je vais sûrement host une chaîne qui fait des trucs sympas, si jamais vous savez pas quoi aller regarder. Et puis, à plus, des bisous!